Pour mon anniversaire, nous retournons avec Caroline dans le restaurant au bord du canal de l'Ourcq, ventru avec vue. L'originalité de ce restaurant est qu'il est itinérant. Ses chefs sont invités en résidence. La carte change très régulièrement, avec des produits frais et locaux. En sortant du restaurant après le dîner, les lumières du quai d'en face attirent l'œil. Elles se réfléchissent dans l'eau sombre du canal et soulignent dans l'obscurité la passerelle et les folies du parc de la Villette. Pas grand monde dehors à cette heure, hormis quelques courageux qui courent après le travail ou qui rentrent à vélo chez eux. L'eau est calme, sans vagues ni mouvements, d'une densité profonde, un noir visqueux. Silence de la nuit. La magie du cinéma, c'est d'entrer 2 jours dans une salle pour en sortir 2 heures plus tard à la nuit tombée. Avec cette impression d'avoir traversé l'espace et le temps, de s'ouvrir à une autre dimension, changer, transformé après avoir assisté à la projection d'Aftersun de Charlotte Wells avec Alice. Un film bouleversant sur le rapport d'un père et de sa fille, qui change jusqu'à notre manière de voir ce qui nous entoure, de l'envisager sous un autre regard, sous un autre jour. C'était une promesse. À l'enterrement d'Anne-Marie Gara, avec ses filles, ses proches, ses amis, nous avons décidé de créer une association pour continuer à nous voir et à penser ensemble à la femme formidable qu'elle était. Manière de soulager la peine de sa mort brutale et de continuer à nous retrouver pour être avec elle malgré son absence. Ce jour-là, nous avons porté les cartons emplis de nombreux livres de sa bibliothèque
qui avait été rangée à la hâte pour vider son appartement, afin d'en dresser la liste, livres d'art, photographie, cinéma, peinture, ouvrages d'histoire, romans, bandes dessinées, pour les offrir à ceux qui le souhaitaient. Tout est beau, parfait, luxueusement sobre. L'herbe grasse d'un vert sombre. La lumière se faufile à travers les branches des arbres. Les nuages en file indienne à l'horizon. C'est dans l'éclat d'un printemps qui recommence. On marche 10 minutes, on tombe sur des cascades, des pics rocheux qu'on peut escalader, des chemins qui s'enfoncent sous les arbres du parc. J'espère y voir plus clair. J'espère voir apparaître quelque chose. Comment traverser cette courte portion d'espace, la saisir, y être. Comment être là? Que faire après, si ce n'est déchirer le visible? J'espère y voir plus clair. J'espère voir apparaître quelque chose. Toutes les ombres du monde ramassées d'un coup dans ce rectangle mobile. Quand on est obsédé par quelque chose, on rêve toujours de découvrir un lien secret. Des lieux qu'on reconnaît sans y avoir été, qui ressemblent à ceux que nous avons connus. Une même lumière les traverse. Cette minute tourne en moi depuis si longtemps. Je me demande pourquoi. Pourquoi elle? C'est une pensée sans suite, insaisissable. Un bref instant entrevoir que cette image aussi doit m'échapper. Une porte secrète, par où entrer à l'intérieur de l'image. Un film sans histoire et sans retour. Immobile et muet. Dans un recoin du parc, à l'abri du passage, un musicien souffle dans sa trompette. On entend, sans le voir, le son de ses arpèges qui s'envolent, cachés par l'épaisse haie d'arbustes en fleurs qui protège l'aire de jeu dans laquelle il s'est isolé pour pratiquer tranquillement son instrument sans être dérangé. Sa musique se mêle d'un souffle aux pépiments époustouflants des oiseaux,
et au grincement mécanique de la porte d'entrée du jardin, dont les modulations évoluent en fonction de l'amplitude que chaque passant donne à son geste. Ample ou nerveux, pressé ou languissant, au moment de l'ouverture du battant de la porte. Les oiseaux s'en amusent à distance, leurs trilles modulent de leurs accords harmonieux les notes du musicien dans une inédite composition qui s'improvise à l'abri des regards. Les poubelles s'accumulent en tas sur les trottoirs. Contournez l'obstacle. Évitez les rues les plus passantes, bruyantes. Cherchez le silence des impasses. Longez les murs de pierre. Glissez sur les sols pavés. Arpentez le dédale des ruelles abandonnées. S'étonnez des murs lépreux sur lesquels des affiches ont été arrachées par les passants, décollées par les intempéries pour laisser apparaître, à défaut, la surface peinte sur laquelle elles étaient collées. Les graffitis s'entremêlent à ces lambeaux de papier avec leurs slogans dont le sens s'est perdu depuis longtemps, obsolètes et dérisoires. Comme l'écrit Robert Musil dans L'homme sans qualité, la vie pense, pour ainsi dire, autour de l'homme, et rien qu'en dansant, lui crée des associations qu'il doit péniblement glaner, sans obtenir ce merveilleux effet de kaléidoscope lorsqu'il recourt à la